Bonjour tout le monde. On va commencer dans quelques minutes. Alors, j'aimerais d'abord vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de la société. J'aimerais rappeler en premier que l'atelier est enregistré, de même que l'interprétation. Également, toutes les interventions enregistrées, toutes les interventions doivent être avec le microphone. L'outil de clavardage. Et je vais aussi demander aux personnes qui n'utilisent pas leur micro de fermer leur micro. Merci beaucoup. Alors, je reprends. Pour les francophones, si vous prenez la parole pour faciliter le travail de l'interprète qui interprète vers l'anglais, il serait préférable d'avoir, si possible, un débit moyen ou, si vous voulez, qui n'est pas excessivement rapide. Enfin, j'aimerais aussi remercier notre commanditaire SVIE Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil de webconférence VIA. La sixième série d'ateliers de la CCP porte sur conception pédagogique et recherche. Comment la recherche peut-elle améliorer la pratique du concepteur ou de la conceptrice pédagogique? Est-ce que les résultats de recherche sont utilisés dans le travail régulier des concepteurs et des conceptrices pédagogiques, etc. Alors, cette série aborde en fait la recherche universitaire en design pédagogique sous tous ses angles. D'une durée de 15 à 20 minutes chacune, les présentations vont être suivies d'une période de questions de plus ou moins 30 minutes. D'abord, M. François-Louis abordera le thème création et évaluation de jeux sérieux pour l'apprentissage de la lecture des enfants francophones du primaire qui présentent des symptômes associés à la dyslexie. Après une période d'environ 30 minutes de discussion, M. Cormier va présenter le deuxième thème, le passage pratique au numérique, quelques exemples concrets. Monsieur Lewis poursuit un doctorat en informatique cognitive à la FELUC. Professionnel d'expérience en gestion de projet, en amélioration continue et en technologie éducative, il est également consultant stratégique en entreprise. Sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Lewis. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Wow, vous m'entendez bien? Parfait. On va commencer par mettre la présentation du projet. Est-ce que le projet est partagé sur les écrans? Oui, tout est partagé dès que vous le mettrez à l'écran. Il est à l'écran en ce moment pour vous? Parce que moi, il est à l'écran en ce moment. Il est à l'écran, dès que vous le voyez à l'écran, il est à l'écran pour tout le monde. Parfait, merci. Je vais débuter la présentation. Premièrement, je voudrais remercier toutes les personnes d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous ce projet-là. Je vais débuter premièrement avec un résumé du projet. Cette présentation, c'est une synthèse d'un mémoire de maîtrise. Ça inclut les résultats aussi de l'évaluation du prototype en milieu scolaire qui a été fait juste après la fin du mémoire. Excusez-moi. La mémoire a principalement trois objectifs. Dans ce projet-là, on avait le premier était de présenter, de concevoir et de présenter une méthodologie. La deuxième était de construire un jeu sérieux. Et la troisième, de l'évaluer. Et d'évaluer particulièrement la cohérence du scénario ainsi que l'ergonomie du jeu. Parce que c'est la première partie du projet, la deuxième partie du projet va se continuer dans des études supérieures. Puis on voulait valider que les enfants avaient du plaisir à jouer avec le jeu, puis que le scénario était cohérent. Les travaux ont commencé avec, premièrement, la lecture lors d'une littérature, avec, entre autres, Green et Bavelier, qui avaient indiqué que les jeux vidéo d'action avaient une incidence positive sur la concentration puis l'apprentissage des enfants.
Puis ensuite, Francis Chinney, en 2013, a refait une autre étude avec des jeux d'action qui ne sont pas sérieux, des jeux d'action commerciales, avec des enfants qui avaient été diagnostiqués dyslexiques. Ce qui est arrivé avec la conclusion qu'il y avait eu une amélioration au niveau de la concentration et de la vitesse de lecture des enfants. D'autres études ont confirmé les résultats en 2015. Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressions à ajouter une dimension sérieuse à un jeu sérieux, à un jeu d'action, excusez-moi, un jeu vidéo d'action. Comme si les jeux commerciaux avaient déjà une incidence intéressante, ce qui nous intéressait, c'est d'améliorer le jeu avec la dimension sérieuse. À la fin, on a fait une expérimentation dans le milieu naturel. Les résultats ont été positifs. Toutefois, il va y avoir des améliorations à faire, des corrections à faire au niveau du jeu. Au niveau du contexte, premièrement, la dyslexie, c'est un trouble permanent qui est neurologique. Il y a une incidence négative sur la lecture pour les enfants et sur l'écriture, bien entendu. Comme vous le saviez tous, la lecture et l'écriture sont essentielles là, dans le parcours d'un enfant. Puis, ce qui a été vu dans les différentes études au niveau de la dyslexie, c'est qu'il faut s'attaquer à la dyslexie le plus rapidement possible pour justement éviter les retards scolaires. Il y a une étude aux États-Unis de la part de Nicholson a indiqué dans son étude que si on peut commencer avant l'âge de 8 ans, les résultats sont beaucoup mieux. Une autre chose aussi qu'on s'est aperçu, c'est que beaucoup de méthodes de rééducation en lecture sont efficaces et sont connues. Malheureusement, le problème qu'on vit, c'est un manque de ressources. Premièrement, ce n'est pas facile dans les régions, puis même dans les grands centres, d'avoir du personnel spécialisé pour effectuer les périodes de rééducation pour les enfants. Le manque de ressources a des conséquences négatives sur le développement cognitif et surtout socio-affectif des élèves. Fait que l'important, c'est d'apporter des changements le plus rapidement possible. Okay. Mon cadre théorique. Je vais commencer par le cadre théorique. Après ça, je vous présenterai la méthodologie là, puis l'expérimentation. Au niveau du cadre théorique, ce que je parlais tantôt, c'est les études de Green et Bavelier en 2012 là, qui sont arrivées avec le constat que les jeux vidéo d'action améliorent l'attention et l'apprentissage. La recherche de Franceschini, eux, démontrait que l'utilisation des jeux vidéo d'action sans dimension sérieuse améliore la concentration et la vitesse de lecture. La vitesse de lecture, c'est un des facteurs relativement importants au niveau de la compréhension. Plus les enfants ou les adultes lisent rapidement, plus on a le niveau de compréhension des enfants, de la lecture est important. On a vu tantôt que la dyslexie développementale est présente dès la naissance et elle est permanente. Puis, les méthodes de rééducation sont connues. Toutefois, il y a un manque de ressources. Puis, le dernier constat, c'est qu'il faut agir le plus rapidement possible. La question qu'on s'est posée lors de cette première phase, c'était que est-ce que l'intégration de la dimension sérieuse, qui va être les exercices de rééducation, dans un scénario d'un prototype alpha du jeu, va être cohérent pour un groupe test d'utilisateurs. Ce qu'on veut savoir, c'est si les enfants vont aimer jouer avec le jeu. C'est pas, comme je vous disais tantôt, c'est surtout au niveau du plaisir de jeu qu'on va évaluer, puis de l'ergonomie. Le but et les objectifs du projet, c'est pour des enfants francophones du primaire, âgés de 6 à 8 ans, qui éprouvent des difficultés en lecture. Ils n'ont pas obligatoirement un diagnostic, parce que le diagnostic se fait beaucoup plus tard au niveau de la dyslexie. Mais on peut s'apercevoir qu'ils ont différents symptômes et qu'on pourrait les aider. Dans le cadre du mémoire de maîtrise, on va se limiter à la conception du prototype et on va valider la cohérence des deux dimensions là, dans un jeu sérieux. C'est le côté plaisant, ludique et le côté sérieux, bien entendu, éducatif dans ce cas ici.
Notre objectif de départ consiste donc à proposer l'ajout d'une dimension sérieuse à un jeu vidéo d'action avec des exercices personnalisés afin d'améliorer la conscience phonémique et la phonologie et d'évaluer la cohérence du scénario à la fin. La méthodologie, on voulait en partant bien définir les limites du projet. Les limites du projet, c'est le prototype alpha, l'évaluation en milieu naturel, puis de valider quelles modifications qu'on doit faire avant de continuer le projet qui va se faire au niveau de l'adaptation du jeu selon les types d'enfants puis le type de connaissances. Au niveau de la méthode de conception proposée, on a utilisé plusieurs différentes méthodes. La première qui est la méthode MISA, qui est une méthode qui a été développée à la TELUC, entre autres. Et la MISA, c'est une méthode d'ingénierie des systèmes d'apprentissage. En même temps, on a travaillé avec différentes autres méthodes, des méthodes qui sont proposées au niveau de la conception des jeux sérieux. Un qui est très connu, qui est le LMGM de Harnam, qui est Learning Mechanic et Game Mechanic. Une autre aussi, c'est Serious Game Mechanic de LIM. Et à la fin, on va évaluer selon le modèle d'évaluation analytique et empirique de jeux de Delgy. Ce n'est pas toujours évident comme ça. Ce que j'ai essayé de démontrer par cette graphique-là, c'est que ça a été fait en parallèle. Fait qu'il y a une partie du contenu d'apprentissage qui a été fait au niveau du MISA, les compétences, je vais vous les montrer tantôt. Mais en même temps, on a réévalué à chaque période avec des experts du domaine pour s'assurer que la méthode était satisfaisante. La dimension ludique. Il y a deux dimensions dans les jeux sérieux, la dimension ludique et la dimension sérieuse. La première dimension ludique est très importante parce qu'à l'âge de ces enfants, de 6 à 8 ans et même un peu plus vieux, les enfants vont décrocher rapidement. Il faut absolument qu'il y ait un intérêt. Puis pour garder l'intérêt, il faut s'assurer que les défis par rapport aux compétences de l'enfant s'ajustent de façon régulière à l'intérieur du jeu. Et puis c'est une des premières... intérêt de l'enfant, là, c'est vraiment très important. On appelle le flow, c'est un chercheur, Susan Milahi, qui l'a emmené, ça fait quand même plusieurs années. Puis elle a été adaptée au jeu sérieux. Puis c'est très important là, de suivre la ligne ici, là, qu'on peut voir, entre les habilités puis le défi. La deuxième, qu'on a évalué, ça a été d'aller chercher les bonnes mécaniques, les mécaniques ludiques qui vont être les plus efficaces au niveau de ce jeu-là. Je vais faire la même chose, je ne le présenterai pas la prochaine diapositive, mais c'est une diapositive qui recherche, à fin du compte, les mécaniques éducatives. Ce que je vais vous montrer, c'est plutôt le SGM, qui est, à fin du compte, la finalité. C'est qu'on va chercher les mécaniques ludiques puis les mécaniques d'apprentissage qui nous intéressent, qui vont aller chercher par rapport aux compétences réflexives révisées de Bloom. Puis nous, c'était vraiment d'appliquer et de se rappeler au niveau de la lecture. Fait qu'on a été chercher les mécaniques qui sont les mieux appropriées pour ce type de jeu-là. Pourquoi on a été chercher ces mécaniques-là? Mais c'était pour justement... intégrer les meilleures connaissances, compétences que nous voulons amener au niveau des enfants. C'était vraiment de répéter, puis au niveau de l'attention, était très, très important au niveau des verbes, mais aussi d'identifier puis d'appliquer les nouvelles connaissances au niveau de la lecture. Lorsqu'on va évaluer le jeu, on a quatre mesures qu'on va évaluer. C'est le temps requis pour effectuer chaque mission. Et on le voit un petit peu en bas, le nombre de fois que l'on met le jeu en pause par mission, parce qu'on donne une certaine flexibilité à l'enfant, le nombre de fois qu'on réutilise le bouton aide ou le bouton vidéo que je vais vous présenter par la suite. On a modélisé aussi les exercices de rééducation. Dans le prototype alpha, il n'y a seulement qu'un exercice pour chacune des missions. On l'a tout simplement modélisé pour s'assurer qu'il était bien perçu, puis aussi au niveau de la rétroaction. C'est un peu difficile comme ça à l'écran là, de le voir,
mais c'était beaucoup plus facile après la modélisation pour faire l'intégration au niveau du jeu. Maintenant, je vais vous présenter le jeu. Fait que le jeu, c'est un nouveau jeu, là, il est complètement original. C'est un jeu qui commence par la disparition d'un clown à l'intérieur d'un cirque. Fait que la directrice de l'agence de sécurité du cirque demande à son meilleur agent de retrouver le clown le plus tôt possible, parce que sinon, il n'y aura pas de représentation. Puis, entre-temps, on a découvert dans la loge du clown son journal intime, puis il est écrit avec de l'encre invisible. Fait que, ici, vous voyez la scène principale. Fait que l'enfant, on lui explique qu'il peut rentrer, aller rencontrer la directrice qui lui explique le jeu, qu'est-ce qu'il doit faire. Puis après chacune des explications, il peut regarder une vidéo qui va lui expliquer comment faire la mission avec toutes les explications, ou s'il l'a déjà vu, parce qu'il va le faire à plusieurs reprises, il peut aller directement en acceptant la mission. Ici, ben, s'il accepte, il veut avoir une explication, son assistant au niveau du jeu va lui expliquer comment faire l'ensemble du jeu. Puis, il va avoir un certain temps pour pouvoir réaliser le jeu. Je vais vous présenter les quatre missions. Là. Je sais que je n'ai pas énormément de temps qui me reste, fait que j'essaie d'aller assez rapidement. Fait, vous avez une mission 1 qui est la conscience phonémique. La mission 2, ici, ça lui donne l'identification par repérage d'une partie connue. Fait que chacune des missions a un type d'exercice. Il y a, je vais être m'assurer que, le jeu a été bien, a été conçu pour les enfants de ce groupe d'âge-là. Fait qu'il n'y a aucun élément de violence ou des stéréotypes à l'intérieur du jeu, fait que ça a été vraiment fait pour des enfants. Ici, c'est un jeu de billard. Qu'est-ce qu'il entend, il faut qu'il soit capable d'identifier les bonnes lettres. Le deuxième jeu, c'était de faire éclater des nuages pour faire pleuvoir dans une région désertique. Le troisième jeu, il faut qu'il se promène d'une plateforme à l'autre dans l'espace en trouvant les bons mots. Et la dernière, il faut qu'il trouve son chemin dans une ville pour retrouver le clown. C'est relativement intéressant, les enfants. Ici, on peut voir les cinq principales changent après chacune des missions, comme la première. S'il a réussi la mission dans le temps prévu, il va avoir une étoile dorée. Sinon, ça peut être argent ou bronze, mais il va automatiquement avoir une étoile. Puis, la directrice va lui expliquer où est-ce qu'il est rendu dans son jeu. Puis il va lui voir, on le voit mal, mais on voit le clown avec en bas une partie du message secret qui graduellement va être écrit au tableau. Bon, la dernière, c'est la dernière, il peut avoir quatre étoiles, le maximum de ces quatre étoiles. Il y a ici l'ensemble du message, fait qu'on va pouvoir trouver à quel endroit le clown se cache. Fait que l'expérimentation a été faite dans un milieu naturel, dans une école élémentaire ici à Montréal. fait que les élèves, il y a 14 élèves qui ont eu l'autorisation de leurs parents. Ça a été fait avec la supervision d'une enseignante, avec aussi sur un ordinateur. L'enfant devait, premièrement, l'ensemble des enfants ont eu une formation de base. Après ça, il devait faire une session de jeu. Il y avait deux parties. Et à la fin, chaque enfant pouvait évaluer le jeu. Puis, bien entendu, le chercheur, moi-même, avait des notes là, au niveau qualitatif du comportement de l'enfant. On peut voir ici qu'on a utilisé des fiches qui sont bien qui sont adaptées aux enfants là, avec le smileometer. Vous avez les petits visages des enfants pouvaient vraiment savoir s'ils aimaient ou ils n'aimaient pas. Puis ici aussi, s'ils voulaient refaire le jeu, ça a été adapté pour des enfants de moins de 10 ans. S'ils étaient d'accord de refaire le jeu ou peut-être ou non, fait qu'on pouvait avoir une bonne idée. Puis on a eu les résultats qui ont été relativement positifs. La grande majorité des élèves ont aimé jouer à des jeux, mais bien entendu, il y avait certaines fonctions qui étaient moins aimées par les enfants, entre autres le son. Une des missions était beaucoup plus difficile, il y avait fallu y avoir des adaptations à faire.
et aussi l'utilisation des souris et du clavier. Les résultats, bon, l'objectif principal a été validé. Les enfants ont aimé jouer, voudraient recommencer à jouer, mais bien entendu, c'est seulement 14 enfants, fait que ce n'est pas évident. Là. On ne commencera pas à généraliser les résultats. Toutefois, le jeu va être modifié, puis on va continuer le jeu là, dans la deuxième phase. Fait que je vous remercie de votre attention. Et je pense qu'on passe à la période des questions maintenant. En effet, merci beaucoup. Alors, ceux qui ont des questions, vous pouvez utiliser, vous avez accès au micro, mais généralement, c'est plus facile d'utiliser le clavardage. Et à ce moment-là, on va lire votre question tout simplement. peut-être qu'en attendant que les personnes, pouvez lever la main ou prendre carrément la parole directement, procédez comme vous voulez, c'est à Céline. Moi, j'aurais une petite question par rapport à ça. Ça fait plusieurs fois que je vois des présentations à propos des jeux. À combien ça revient comme coût? Parce qu'il y a un coût à faire ce genre de formation-là. Alors, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable par un établissement scolaire? Je vous dirais que ça prend énormément d'énergie. Le jeu, je l'ai fait par moi-même parce que j'avais pas de fonds spécial là, pour le faire. De plus en plus, il y a des logiciels qui sont disponibles gratuitement sur Internet, entre autres Unity. Ce jeu-là a été bâti sur Unity, mais il faut quand même avoir des connaissances en termes d'informatique, des connaissances minimum pour le faire. Mais c'est relativement dispendieux. Ça prend énormément de ressources. Vous dire un prix exact, je ne pourrais pas vous dire actuellement. Si je comprends bien, vous avez réalisé vous-même le jeu. Donc, toute la dimension 3D. Je pense que vous avez mentionné un outil que vous avez utilisé ou un site. Est-ce que ce serait possible? Vous l'écrivez dans le clavardage pour qu'on ait le nom. Oui, absolument. C'est c'est un site qui est sur l'Internet. Il y a une version personnalisée qui est gratuite. L'avantage de cet outil, c'est qu'il y a énormément de... On appelle ça des actifs ou des assets, des éléments qui sont déjà conçus. Et on n'a pas besoin de tout recréer. Mais un jeu comme je viens de vous présenter, qui n'est pas final, parce que toute l'adaptation est loin d'être finale. Là, c'est seulement qu'un exercice qui a été présenté par chacune des missions. Un jeu, seulement que le prototype A, on peut parler de 4 ou 5 mois de travail pour une personne. Je vois qu'il y a une question dans le clavardage de M. Pelletier. Est-ce que du contenu libre de droit? Est-ce que c'est du contenu libre de droit que vous avez? Oui, absolument. C'est du contenu libre de droit qu'on peut. Il y a des choses qui sont restrictives. Entre autres, si vous voulez monnayer votre jeu, si vous voulez le rendre... faire de l'argent avec votre jeu, c'est différent. Dans un contexte éducatif, si le jeu est dans un contexte où on ne revend rien, la majorité du contenu est gratuit. Il y a aussi Mme Bilodeau qui a posé une question qui dit « Bravo pour cette innovation. Est-ce qu'il existe des jeux disponibles sur le marché qui aideraient les enfants plus que d'autres en lecture? » Écoutez, je pourrais vérifier. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui existent, mais ils sont en général, c'est des jeux qui ont été produits pour des différentes difficultés que les enfants peuvent, entre autres la concentration
Il y a des jeux seulement pour la lecture, j'en connais pas comme tel. Mais il doit certainement en avoir, là, je ne connais pas tout le domaine du jeu. Peut-être en Europe, il y aurait quelque chose. Je sais qu'il y a des jeux qui ont été créés, qui ont été conçus, mais pour des difficultés, entre autres, pour les enfants qui ont des problèmes de concentration. Madame Panayotova demande qui et comment a évalué la pertinence du jeu quant aux troubles de la dyslexie. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Bien, ça n'a pas été évalué pour les troubles de la dyslexie. Comme je l'ai présenté, le jeu a été conçu pour les enfants qui présentent des symptômes. Il y a seulement un exercice par mission, puis ça a été, c'est pas évalué, mais ça a été, on a travaillé avec le département d'orthophonie de l'Université de Sudbury, l'Université Laurentienne. Et que tous les exercices, les quatre exercices qui ont été mis dans le jeu, comme vous pouvez le concevoir, là, ça a été seulement qu'un prototype, a été validé par l'Université Laurentienne et la directrice, à fin du compte, du département d'orthophonie de l'Université Laurentienne. Moi, j'aurais une autre petite. Je déborde un petit peu exactement de ça, mais il y a une chose que je me demande toujours. Il y a deux éléments. Premièrement, la dyslexie, là, je comprends, c'était pour les enfants, mais la dyslexie, ça atteint aussi, il y a des adultes aussi qui sont dyslexiques et qui n'ont jamais été, là, comme il y a maintenant, on tient compte de la dyslexie dans les écoles, etc., mais il y a plusieurs années, on n'en tenait pas compte, on ne considérait pas nécessairement ce problème-là. Est-ce que, d'après vos connaissances, est-ce que ce serait quelque chose, peut-être pas exactement avec ce format-là, mais dans ce style-là, qui pourrait également aider les adultes pour gérer un petit peu mieux leurs problèmes de dyslexie? Je vous dirais que je serais un petit peu sceptique pour plusieurs raisons. C'est que tout a été réalisé dans ce projet-là pour justement offrir un outil pour les enfants le plus jeune possible. Parce qu'après l'âge de 8 ans, comme je le mentionnais, ça devient de plus en plus complexe. Puis même après l'âge de 12 ans, c'est pratiquement les enfants ont pris différentes méthodes pour justement pallier à leurs problématiques. Là, obligatoirement, revenir en arrière, ça va être extrêmement difficile. L'idée du projet était d'offrir un outil pour les parents ou pour les enseignants lorsqu'ils s'aperçoivent qu'un enfant a des symptômes. Parce que les exercices de rééducation, c'est des exercices que les enfants de cet âge-là font automatiquement en classe. Ce n'est pas des exercices qui sont différents. Toutefois, en les ajoutant à un jeu qui les amène à avoir une meilleure concentration, ça les aidait. C'était l'hypothèse de départ. Là, maintenant, lorsque le jeu va être finalisé, là, avec l'adaptation puis la personnalisation du jeu, il va y avoir un certain nombre d'exercices qui vont se faire de façon régulière. Parce que c'est un programme de rééducation qui existe. Je n'ai pas créé un programme de rééducation. Je prends un programme de rééducation qui est, je pourrais voir, je vais vous le donner, je vais vous donner le nom. Qui est connu, qui est très connu. Puis, c'est un programme de rééducation-là qui s'appelle WIST, qui est le World Identification Strategy Training, a été évalué à plusieurs reprises par plusieurs chercheurs, puis ils se sont aperçus qu'il était valide, puis qu'il aidait les enfants à trouver des mécanismes par eux-mêmes. L'idée, c'est de trouver des mécanismes pour pallier à leurs difficultés au niveau de la dyslexie. Puis comme cette stratégie-là ou ce programme de rééducation-là a été traduit en français par un chercheur, c'est Mme Myre Bisaillon de l'Université de Sherbrooke, qui est disponible, je vais utiliser cette méthode de rééducation-là, puis je vais l'intégrer dans le jeu. La vérité, c'est tout simplement d'offrir un outil parce qu'en ce moment, si vous allez dans certaines régions, ils vont vous dire qu'actuellement, les enfants, même s'ils sont diagnostiqués, ils n'ont pas
n'ont aucun programme ou ils n'ont pas les ressources pour pouvoir les aider à faire la rééducation. Merci beaucoup. Il y a un autre commentaire de la part de Takam. Quelle différence y a-t-il entre un jeu sérieux et un jeu ludo-éducatif? C'est des termes, il y a beaucoup de termes ludo-éducatifs. Bon, un jeu, c'est seul, strictement un jeu sérieux, c'est un jeu qui a une autre dimension que le plaisir. Fait que ça peut être la communication. Ça peut être l'éducation, ça peut être plusieurs autres domaines, mais souvent, même en communication, on va l'utiliser. Toutefois, les jeux ludo-éducatifs, selon moi, c'est un jeu sérieux éducatif. C'est la même chose. C'est tout simplement, il y a plusieurs termes. Malheureusement, là, il n'y a pas un terme là, qui est toujours utilisé là, en ce moment. Là, il y a plusieurs termes. C'est probablement la même chose. Il y a peut-être aussi la question du vidéo, le jeu vidéo d'action, peut-être ludo-éducatif. J'ai vu des jeux qui ne sont pas en 3D ou ce que les enfants n'ont pas d'interaction avec le jeu. Un peu un style bingo là, qu'on a déjà vu. J'ai déjà vu ludo-éducatif dans ce terme-là, mais le jeu sérieux est un jeu d'action. Ça pourrait être ça la différence, c'est vraiment un jeu d'action. Mais qui a une dimension sérieuse là, au niveau de l'apprentissage, au niveau de la communication. Une chose que je n'avais peut-être pas, je vous avais pas aussi parlé tantôt, c'est que c'est un jeu qui est basé sur une petite période de temps. Parce que toutes les études le font remarquer. Là. Les jeux vidéo, c'est un outil, mais il faut que ça soit fait dans une période. Dans ce cas ici, normalement, ce qu'on a recommandé, nous, c'est moins de 15 minutes par jour. C'est quand même une très petite période. Ce n'est pas sur une longue période de temps dans une journée. On veut limiter au maximum l'influence des jeux là, pour les enfants. Vous avez utilisé le 3D ici, mais est-ce qu'il est possible d'utiliser le même principe de jeu sérieux dans un autre genre d'environnement? Oui, il y a des gens qui l'ont utilisé dans le 2D. Toutefois, aujourd'hui, avec les outils, c'est à peu près le même temps de travail. Là. Il n'y a pas une grosse différence, puis c'est beaucoup plus... je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont des jeunes enfants ou qui sont grands-parents, là. Mais quand on voit les enfants de 7, 8, 9 ans, là, ils connaissent très, très bien les jeux vidéo en général. Puis ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'ils décrochent. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt. Il faut que ça bouge beaucoup. Il faut qu'il soit beau, le jeu. Fait que le 3D a cet avantage-là dans l'imaginaire de l'enfant, là, d'être très réaliste. Esthétique. Je rappelle aux gens que s'ils veulent intervenir, ils peuvent toujours utiliser le micro s'ils préfèrent ou simplement écrire dans le clavardage. Si vous avez des questions ou des commentaires, je n'ai pas. D'accord. Alors, je pense que les questions sont terminées. Est-ce que, M. Lewis, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter pour compléter votre présentation? Non, tout simplement, merci à vous tous d'être présents. Parfait. Donc, ben, je vous remercie beaucoup. C'est toujours intéressant. Moi, je trouve ça... toujours pertinent de voir comment innover davantage, trouver d'autres idées pour aller un peu plus loin. Puis je pense que même si, moi, mes interventions en tant que conceptrice pédagogique, ça se fait surtout
envers des adultes, évidemment, je suis à l'université, mais ces éléments-là ne peuvent pas m'empêcher de m'inspirer pour aller vers d'autres choses. Puis je pense que un élément, à mon avis, puis vous me direz ce que vous en pensez, mais à mon avis, on considère toujours que les enfants ont un degré, une capacité d'attention limitée. Mais moi, je dirais que ce serait une grande illusion de penser que les adultes ont une grande, grande, immense capacité d'attention aussi. Je pense que c'est relativement limité de plus en plus aujourd'hui. Et moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que si on veut maintenir une attention, il ne faut pas aller trop long, quel que soit l'âge. Je pense que c'est peut-être une multitâche qui fait ça. Donc, ces éléments-là nous permettent d'avoir une variété, une dynamique qui pourrait être intéressante. Je vois que Brigitte Bellil a posé une question, un commentaire. Ce qui m'intéresse sur la méthodologie utilisée, vous avez passé vite sur la diapo qui présentait ces méthodologies de conception, MISA et les autres. J'aurais aimé un petit retour. Ah, je peux retourner. Est-ce que c'est la... Oh non, c'est pas celle-là, c'est la méthodologie. C'est celle-là, hein? Est-ce que c'est bien la bonne diapositive? Je pense que oui. Bon, la méthode MISA, vous pouvez la voir en jaune. Tout ce qui est en jaune en haut, là, la méthode, on voit la MISA, l'ICEF de TELUC. C'était la première partie, c'était de définir les objectifs et identifier les exercices et activités au niveau du scénario pédagogique. Ça, c'était dans le contenu d'apprentissage. Après ça, on voit un petit peu plus loin, c'est d'identifier les mécaniques pédagogiques. Fait que c'était la première étape, c'était vraiment au niveau des compétences qu'on a vu un peu plus loin là, dans l'autre tableau. Fait que la méthode MISA, c'est vraiment au niveau de définir les compétences, puis d'aller chercher les bonnes au niveau les bonnes mécaniques, puis les bons modèles, justement. En bas, bien, les caractéristiques du jeu, c'est d'aller chercher les bonnes mécaniques, puis les bons modèles, justement, qui permettaient ou qui avaient une influence les plus importantes au niveau des compétences. Après ça, si je vois un petit peu plus loin, bien, c'est identifier les mécaniques pédagogiques, identifier les mécaniques ludiques. Après ça, on mettait tout ça ensemble pour justement, je vais aller chercher directement la diapositive. Celle-là, fait qu'on avait les deux mécaniques de chaque côté par rapport aux compétences qu'on avait identifiées au départ. Et là, comme on savait que c'était se rappeler puis appliquer, fait qu'on était chercher surtout les mécaniques qui étaient directement reliées aux compétences réflexives là, de Bloom, appliquer puis se rappeler. Et je reviens ici. C'est un petit peu ça que vous voyez en mauve. Puis après ça, bien, on a commencé à créer le jeu. Graduellement, on a créé le jeu pour aller chercher chacune des mécaniques, bien entendu, puis aussi mettre un scénario là, qui a une certaine cohérence. Est-ce que ça répond à votre question? Moi, je vais juste aller un petit peu plus loin dans ce qui concerne la MISA. La MISA comprend une centaine d'éléments, en fait, dans l'ensemble des outils. On n'utilise jamais l'ensemble de tout ce que MISA contient. Vous évaluez à combien, à peu près, combien d'éléments vous utilisez de la MISA? C'est une question qui est une curiosité personnelle parce que c'est aussi la méthode de design que j'utilise. Je dirais au moins 5 ou 6. Il faudrait que je vérifie, là, je n'ai pas ça en tête, là, ça fait un certain temps que je l'ai, cette partie-là de mon mémoire a été réalisée, mais facile, bien, écoutez,
À partir du début de la mission, là, il faut quand même planifier toute la planification. Vous avez aussi, avant la conception, vous avez toute l'identification des compétences, comme j'expliquais. Il y en a quand même beaucoup, là, mais actuellement, je ne pourrais pas vous dire par cœur combien que j'ai utilisé, mais il y avait quand même une bonne partie. Parfait, merci. C'est juste une question de... C'est toujours un peu curieuse parce que chacun adapte la MISA à leur façon, à leur goût. Et c'est toujours un ensemble un peu différent, mais évidemment toujours semblable puisque c'est toujours le même outil. Fait que je suis toujours un petit peu curieuse de voir qu'est-ce que les autres utilisent. Moi, j'en utilise à peu près une dizaine, 10-12, dépendamment des projets. Mais c'est à peu près, probablement, c'est assez similaire. Je vous dirais 6-7 rapidement. Mais aussi, j'ai utilisé beaucoup le logiciel MoPlus, que probablement vous connaissez aussi, qui est une méthode pour modéliser la conception, qui est souvent utilisée avec MISA. Oui, c'est un complément, effectivement. on peut attendre un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions qui sont en préparation. On ne voit pas quand les personnes écrivent le message. Alors, si vous avez une question, vous pouvez lever la main pour nous dire ou nous dire tout simplement que vous êtes en train d'écrire. Je ne voudrais pas couper la parole à la personne. Donc, il semble que non, c'est toujours un petit peu embêtant quand on a ce genre de... dans un webinaire où on ne voit pas nécessairement si les gens sont en train de s'activer ou pas. Si jamais ils en viennent, on pourra toujours revoir ça un peu plus tard. Donc, merci beaucoup, Monsieur Lewis. C'est extrêmement intéressant. C'est, comme je disais, c'est pour ma part, je trouve ça inspirant aussi. Et on va maintenant passer au deuxième thème avec M. Cormier qui va nous parler du passage pratique au numérique, quelques exemples concrets. Oui, je voulais juste faire une petite présentation, je vous donne la parole dans 3 secondes. Alors, en tant qu'agent de changement, chercheur en éducation et défenseur de l'importance de la communauté d'apprentissage, Dave Cormier a travaillé avec des groupes partout dans le monde pour comprendre de quelle façon l'accès aux technologies de connectivité influe sur l'apprentissage. En 2008, dans un moment de faiblesse, et j'ouvre une parenthèse ici pour dire que c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui ose avoir ce genre d'affirmation-là, donc dans un moment de faiblesse, alors qu'il travaillait sur un très gros cours en ligne destiné à être ouvert à tous, il a inventé le mot MOOC, Massive Open Online Courses. Sa publication porte notamment sur l'éducation ouverte, l'apprentissage rhizomatique, les MOOC et l'impact de la recherche sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Monsieur Cormier a un parcours professionnel varié et présentement, il assure la direction de la Schulich, j'espère que je le prononce bien, Schulich Medical School au campus de Windsor. Tout le travail de Dave Cormier s'articule autour de la façon dont l'acquisition des connaissances est un processus désordonné et imprécis, à la fois intensément individuel et forcément humain. Il ne croit pas non plus que l'apprentissage puisse se mesurer, ce qui lui attire souvent des ennuis. Je vais donner la parole à M. Cormier. Je voulais juste préciser, mais probablement que M. Cormier va nous aider un peu davantage dans la gestion de ça. Et vous allez voir qu'il va vouloir préférer utiliser les interventions à l'aide des tableaux blancs et du clavardage. C'est les deux... outils d'intervention qui va vous demander d'utiliser surtout. Donc, à vous, M. Cormier.
Thank you very much. I'm just going to give everybody a chance here to adjust to the fact that we just changed languages. As I said in the comments, I can read your comments in French. I will respond to them in English if that's okay. If we were talking about Baron Matsya from my childhood, I'd be able to talk to you perfectly in French. When it comes to pedagogy, I have to say that my French struggles. So I'm going to go ahead and do this one in English if that's okay for you folks. I'm going to start us off by just giving you guys a bit of an introduction of who I am and how I got here. And if you guys want to take this time to just sort of give me a sense of where you are in the chat room, you can just type in the city you're from or where you are right now in the chat room to give me a sense of where everybody is. I'll go ahead and give you a brief introduction. J.R. Dingwall. Hi, J.R. I currently manage the Schulich Medical School. I've spent a lot of time in the last particularly 10 years doing educational administration, mostly because I did a bunch of projects in the particularly between 2005 and 2010, 2012, and I realized that my projects kept starting and my projects kept dying, and I got more and more interested in how education was shaped in the research I was doing at the time, and eventually started to think that being an administrator was one of those ways that I could take that shape that I cared about and try to change it into reality inside of a school. It's certainly part of the work I'm trying to do here at Schulich. Thank you for that, everybody. We've got some people near my hometown. I'm actually from Belledune, New Brunswick, for Philippe Doiron and Tracadie over there, so we're not that far away. Okay, so I'm going to give you a sense of the research that I've done, the sort of pedagogical standpoint that I come from, some of the argumentation that I put in the in my bio sort of gives you a sense that it's maybe not MISO-driven, so I'll intro by doing a little bit of that, and then I'll give you three concrete examples from the work that I've done, and then hopefully we can have an interesting conversation coming out of that. Okay, so as an initial premise, the sort of foundational premise of the work I do is that at the top end, at the high end, what we're really looking for from education is to give whoever is learning in whatever they're doing, be it medicine, be it math, be it whatever sort of conceptual work they're trying to do, we're trying to get them to the point where they're able to confront complex problems that don't have clear solutions. If we think about this in terms of our friendships, or we think about this in terms of our jobs, it is the ability to confront complexity, the ability to make decisions when decisions aren't clear, that really defines expertise. And this is at the root of the work that I do. And if we disagree there, I think we're going to disagree a little bit more as time goes on. But I just want to state that right at the beginning. So the work here is premised on the difference between the tree of knowledge, as it's often seen sort of historically for us. We go to the tree of knowledge, we grab the apple of knowledge, we eat the knowledge, we now have the knowledge, this idea of knowledge transmission. While many of us have left it behind in our pedagogy, it still underwrites a lot of the works we do. So if you look at the word learning objective, I have just put an apple on the tree. I have decided what it is going to be on my tree of knowledge for my course, and I've decided what it is you need to learn in order to pass my course, to get through my certification, to do whatever it is that I'm teaching you. And while we would all accept that what you might decide, what I might decide as what's necessary for our field are not going to be consistent, we still feel like we're in a position to be able to decide what the objectives are for students before we've ever met them. So, you know, 6 months ahead of the time the course is run, we've decided what that student needs to know in order to pass this field of knowledge, and we go ahead and design accordingly. So, and I mean, we come by this honestly. There's a beautiful article by Audrey Waters talking about the history of high schools that came out in Vice this week, but when we talk about elementary education, this is a long-standing issue. This is from the report from the American Department of Education from 1876. For them, they were talking about the British system, and success was reading a few lines of poetry or prose at the choice of the inspector, a sentence slowly dictated once, you can read your way through that, compound rules. They had decided what success looked like, because what they were teaching for was the factory, right? They needed people to be able to take on senseless repeated tasks and need people to
accomplish very specific roles, whether it was take one of those little pins that you see in the box there and move it across to the other side of the machine back and forth and back and forth. Had very specific goals of the original public education system. And success under that model was finishing. We're always trying to get the students to the point where they finish something. They've completed an objective. We want them to achieve a certain level of competency. And I think that's fine if the goal of your education system is to have people learn and then stop. But I think if you're fundamentally committed to lifelong learning, then you have to reimagine the way that you process the learning process. And before the internet, I don't really think this was possible. If you look at some of the best research by particularly the adult learning people from the 1970s, if you look at Malcolm, what's his name, I always forget. If you look at a lot of the really great research from the 70s and 80s, they were talking about student-centered learning, but then as a teacher, I still had to go and grab all the books and bring them in the room. You know, I still had to either, information had to come in my head, had to be in the students' head who are in the room, or it had to be in the books available that we had around us. Whereas now, those limitations no longer exist. And I think we're in a position to be able to decide that we're teaching for something a little bit different. And that, to me, is Malcolm, thank you, Knowles. Thanks, JR. I appreciate that. I always forget his last name. I don't know why. But I appreciate that in the chat room. So then we get to ask ourselves, what are we teaching for? And for me, I'm teaching, trying to get to learners who can look for answers, not the answer, or even better, who can create their own answers. I want learners who can deal with complexity, right? I'm not looking for people to achieve something that's set and static. I'm not looking for that objective that you can pluck off the tree. The model that I use is a weed. This is one of the most nastier weeds. It is a Japanese knotweed. If you have this in your backyard, I'm sorry, because they're terrible. They're almost impossible to get rid of. You take one little tiny bit of the rhizome, which is the thing underground that helps it grow and spread, and drop it in somebody else's garden, it will grow. You almost can't, it is resilient, it's capable of growing and spreading, it's not bounded by the limits of its habitat. You can't control something that grows rhizomatically in that way. It's not bounded, it's difficult to contain, and it follows its own paths. Now, if we think of those as two separate views of education, of me as the designer or the person who's teaching deciding ahead of time what someone's going to learn, and then they come and get the apple, however project-based we may get there, we've already decided where we want them to get to. And what I'm proposing, and all my work sort of proposes, is that what we need to do to truly be student-centered is to be willing to allow them to follow their own paths to whatever objectives they're going to get to. So then the question becomes, so if that's the, and I've just taken 12 years of my work and tried to cram it into 5 minutes for you. So I apologize if that's a little quick or a little, maybe we'll stop there. Let's take a little break in there. And I'd like to hear, I'm going to see what happens here if we do this. When you think of that word learning, what are the words that come to you? So I think of uncertainty, and I think of discovery, and I think of becoming. So if you can just jump into the whiteboard right now, give me some words that pop up in your mind when you think about what learning is for, what it confronts. Just go ahead. Should be able to jump right into the middle of the whiteboard, I think. Let's see here. There we go. We're building the slide together. I love it. Growth. Yeah, that's a good one. Knowledge. Empowerment. Empowerment is an interesting one because, you know, one of the things that we've talked an awful lot about in the different courses that I've been involved in is how do you enforce independence? How do you go to somebody and say, I want you to be empowered, but I'm going to still stand in judgment of whether or not you've done that empowerment properly. Yeah, go ahead and draw on the board too, for that matter. Exploration, that's a good one. I mean, again, exploration to me feeds to the same conversation. If we're going to create room for exploration inside of a classroom, then we necessarily need to be able to leave
the pathways open for people to go to places where we're not sure, places where we're not comfortable, places where we're not expert, right? And again, from a design perspective, that fundamentally impacts the way that you design a course. And for me, with this, these are all really great words. I think that we all would have a really good time sitting in a room having this conversation together, because a lot of these things really dovetail with my own feelings about this. Change, empowerment. Is that to maintain change, Annie? Because if you're talking about maintaining change, I really agree with you. And I almost think of it's more of a skill set, because for a student to be able to discover things is one thing, but to be able to have that intrinsic motivation, that ability to want to reach out. I mean, again, I work in a medical school, right? One of the biggest drivers we have here is, how do we get doctors to want to learn the day after they get out of medical school, right? How do we do that? Because what's going to be expert, what's going to be best practice, what's going to be a good idea in 2025 is not going to be the same thing we're going to teach them today. And we need them to constantly want to do that. Man, self-awareness. I'm gonna move off the slide after I talk about self-awareness for a second. I love self, like, in order for a student, in each of the examples I'm going to describe, okay, one of them is the open MOOC. One of them is my university classroom where I taught teachers, and the other one is a K-12 classroom that I designed for last year. The first thing everybody always says is, tell me what I need to do to succeed. Tell me what the high yield strategies are. Tell me what I'm supposed to do. Tell me what success looks like. And I mean, best practice inside education says, tell students what success looks like and they're going to be better at getting to success. Well, to me, that's a truism. If I say the best place in the room to stand is over there and everybody goes stands there, that doesn't make the learning process better. It just makes people more obedient. And obedience is not what I'm looking for. In order for students to really truly take on their own empowerment, in order for them to create, in order for them to discover, in order for them to explore, to find the opportunities they have, in order for them to see those new horizons, it requires that self-awareness of going, what is it that I want? What is it that I need to learn, both need to learn and want to learn? I think self-awareness is a great place to lead that. I'm going to go back. So just to cover, and again, I'm trying to get 12 years of work into 15 minutes, so I apologize, I'm rushing over this. On the one side, we have the tree of knowledge, right? Where we go to the tree, we pluck off the apple, we eat the apple, we know the thing. That falls under what I think of as the simple and complicated domain. So simple information you would get, complicated, like step-by-step processes you could learn, those are important. But that to me is the building blocks of learning, it's not learning itself. You'd have clear learning objectives. The student's experience is one of certainty. The teacher's experience is one of certainty. I know we're going to do this. I know what I'm going to do. The student is a follower. Obedience is valued. And those things are easily measured. On the weed side, on the rhizome side, right, we have complexity, right, where we don't necessarily know what there are no answers to complex questions. How much do I love you? 76%. It's not something that you can acquire a number to. It's not something you can really get to an answer for. I use the word learning subjectives, and I only use it partially tongue-in-cheek. I don't know what you're going to learn. It depends on you, right? If it's truly student-centered, then that objective needs to be subjective. It needs to come down to the student themselves. Uncertainty is the common overriding piece that governs those discussions. Student as leader, right? Student is directing their learning in a true sense, including the objectives. And I would say it's not directly measurable. So, three examples. This was an open online course that I muddled over, and there are three or four blog posts on my blog that actually describe the three versions of design that I tried to put together for this. Because what I was looking for was to create an open space to talk about this idea of rhizomatic learning. So I went through the design process. First, I was going to use the gradual release model, where I was going to heavy upfront put some more didactic pieces and slowly gradual release out to the rest of the people. We had probably somewhere between 500 and 1,000 people
who participated in that course. It's tough to measure these things, but there were a fair number. But what I decided on was designing the entire course as a series of challenges. So I created one video at the start of each week. I had one leading question, one leading challenge at the start of this week. And what I really tried to do as I designed this course was take the risk upon myself to allow the creativity to happen. And by that I mean, if I am safe with the questions that I ask, then students are going to be looking for a place of safety in their responses. Learners, participants are going to be looking for a place of safety in their responses. If I take a risk in the way I ask a question, part of that's about being argumentative. The first topic is cheating is learning. The challenge was, can you give me an example of cheating as learning as an educational style for the classroom? Now, what that was meant to exemplify, one, it challenges the status quo, right? Cheating is a bad thing to happen in a classroom. Well, cheating and collaborating are almost the same thing. The only difference is I've told you not to collaborate. So cheating is rule breaking, but it's still acquiring knowledge. It's still acquiring learning. It's still making new connections. So in that first challenge, we tried to dig in to people's feelings about how they controlled information in their classroom, how they controlled connections in their classroom. And that I think of as one of the underlying concepts that we're trying to get to in this Rise on MOOC. So that piece about challenges, that piece about letting students really be the curriculum, so the learning experience was less about what I had to tell them, but more about the party that I had invited them to. And the theme of that party was cheating, the first one. And so when you think about that party mentality, when you think of me as a party host, when I lead a course, then I'm not deciding why you're coming to the party. Maybe you're coming to the party because you like to drink. Maybe you're coming because your friends are already there. Maybe you're coming to meet new friends. Maybe you're coming because you're an alien and you want to know what a party is. I don't have to decide that as an educator. I can allow you to do that. All I'm doing is creating the ecosystem where this conversation happens. So the Rise on MOOC gives you some sense of how I take the research that I did in Rise-O-Matic Learning and apply it to course design. And I'll keep talking about this as we go through and try to get with lots of time for questions. So what ended up happening, that course was 6 weeks long. The students actually created the next 6 weeks of the course. I wasn't even involved in it. They continued the course themselves, which is kind of an ideal scenario because I worked towards my own obsolescence. They actually literally were in charge of their own learning. They continued the course together. And to me, that's one of those places where you can look at it and say, that the course design actually did what it was intended to do, which was truly give the empowerment to those students. I have not been that successful all the time. This is a particularly special case. But it does show how when you take those risks for allowing students to be truly empowered, that lifelong learning piece can actually build itself into the process. And the last piece I want to talk about this is from the original MOOC research from 2010. But it does talk about a little bit to how these things are designed in my mind with the individual student in mind. So I encourage students to orient themselves, so get a sense of the context, declare themselves, take the responsibility upon yourself to put yourself out into the course network so that you can find people who's out there, get to know those people. Cluster, so find group affinity groups that allow you to work on the things you're interested in, and then focus. And that's really about deciding what work you're going to do. Now, each of these are the responsibility of the student, and each of these require that self-awareness that somebody posted on the whiteboard earlier. That's a really good whiteboard, actually. Okay, I'm going to stop there, and I'm going to open up another whiteboard. Oops, not cancel, Dave. No, don't. Not me. Just a second. Create. Okay, so given that piece, does anybody have any comments or feelings or thoughts? Feel free to write them in the chat room. Feel free to share your notes on the slide and like sort of help me create the next slide. Any thoughts you'd like to share or talk about?
I know what Carol was talking about now. Because it doesn't say if somebody's typing, I'm like, wonder if there's any typing going on. Very interesting. Well, I appreciate that. So maybe what we'll do, oh, there we go. Yeah, no, Laura, I couldn't agree with you more. Students, and we see this all the time, right? When we open up formal classrooms, and I'll talk about that with the next one, maybe it's the third one. Anytime you take this approach, anytime you use this model, the first part of it always has to be deconstruction of the learned helplessness that our education system instills in students. I think that we've spent so much time trying to get educational results out of students that we've devalued that student autonomy, that desire for self-awareness, to such a degree that students really don't believe me when I tell them I want them to take control of their learning. They really don't understand. And I'll talk about learner contracts in a minute, about how that, one of the methods that I've tried to use in order to be able to do that. It takes a year, yeah, at least. I'm not familiar with Rio's partners, Annie. I'd love it if you'd send me a note about who they are and I can check them out. Well, do I think any teacher could? I think that there are always teaching styles that suit better for different teachers. We designed a model for K-12 teachers that I'll show next that maybe gives them a little scaffolding in terms of how to teach. I really do think, however, that I agree with you. I think the biggest challenge is in the teacher and having the resilience to gut out the first couple weeks, because it can be really, really intimidating. The first time you walk into a classroom, you're like, yeah, I don't necessarily know what we're going to do yet. We're going to have to get to know each other better before I understand. And trying to go through what Laura was talking about, trying to really encourage people to take control of their learning and be willing to deal with the fallout that inevitably you'll get from students, because it's actually really, really difficult for the high achieving students. Because if you have an A-plus student who comes into your classroom and you go, yeah, well, I really want you to guide your own learning, they're going to be like, no, 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 you don't understand. Learning is me getting A pluses. That's what learning is, getting an A plus. How do I get an A plus? And I get a plus. And I go, I have no idea. I have this contract that you need to work through. Well, how much what do you want me to do? Like, I don't even know you yet. How am I supposed to have that conversation? So I think those conversations take a lot of effort for teachers, particularly at the outset. Yeah, for generations, we train students to follow instead of lead. 100% we have. Yes, I do have a learner contract for the third one that I'll talk about, and I'll show you what that looks like. MOOC concepts make sense in that context, but what about context? Sorry. Phone. Sorry, folks. I apologize. I'll get to that. You know what, JR? I'm going to take that as the springboard to the next part of this conversation. Okay, so Takam, I would say that it's reasonable to assume that every student can lead their own learning. And by lead, I mean be responsible for myself. 100% I do that. Do I think that everybody is going to be a leader in their community? No. No, but they can lead their own work. They can guide their own path. They can take responsibility for their own learning. So moving to a K-12 context, this obviously applies way more structure applied. I've got curriculum that's already existing. We're rewriting the curriculum from scratch for, this is the grade 11 computer science in Prince Edward Island. So I was interested in Arduino, which is a microcontroller. It allows you to power little projects that you can do. You can build a little car, or you can make an elastic band launcher, or you can build little things with it. It's kind of fun. And you do some programming to get yourself there.
I chose Arduino because it was the thing that everybody told me Rise-O-Matic learning would not work for. Oh yeah, you get your complexity, it's okay if kids are writing or whatever. What about if it's science? While this isn't technically science, it's technology, it was, for me, an attempt to try to take that theory, take that research piece and apply it to a context where a lot of people thought it wasn't going to work. So that, maybe that shows you something about my personality, but that's sort of the thinking behind that. And I wanted to bring complexity to that conversation about coding. There's an awful lot of money being spent on coding in schools right now. I think most of that money is being wasted. I don't think we should be focusing on coding particularly. I don't think that there are future jobs out there where everybody's going to become a coder. I do think that having some fundamental understanding of the technology that controls our lives and our relationship to it is critical, whether that be digital citizenship, whether that be an understanding of the devices that follow us around, that tell people where we are, safety, all those things are, to me, about having a fundamental understanding about our relationship to technology. And that's really what this course is about getting at that complexity about our relationship to it. So fundamental understanding in this course, how many people here ever teach computer science? Trying to get a sense of what level of the audience is so I can sort of guide where I'm going to say this. Anybody ever teach coding or any of that stuff? I'll just go ahead. No, Laura, that's fine. I'm not suggesting you should. I'm just trying to get a sense. So the way we normally teach people to code is to say, hey, let's go, hello, print world, go to 10, go. And then you have this sort of road approach where you build one little thing, you build another little thing, you build another little thing, and slowly you get to coding. Block coding, as it's done in elementary schools all over the world really right now, is that same idea. Let me take these little chunks and I'll put them together and slowly we'll get a little figure dancing across the screen. The premise we took was the opposite. Every programmer that I know who's successful steals code from other people. So the premise of this course is that we're going to steal code and we're going to use it to get students to be able to do something physical or tangible with this Arduino thing in the real world. More importantly, this course is designed for Jimmy. This is my partner. This is Mark Lamy. He and I worked on this project together. Jimmy, for us, was a high school teacher who was given the assignment of teaching this course on the 28th of August. Inevitably, we discovered in our sort of survey that this was the last course assigned, and it was always assigned to somebody who knew little to nothing about how to actually teach this course. So this course is like, it's a double course. At one point it's supposed to teach the students, but it's also meant to teach the teacher at the same time. So it's designed that the teacher can almost be, I won't say passive, but with teaching skills and no content skills related to coding, they could teach this course. The design of the course, from the simple and complicated side, and we talked a little bit about this earlier, so what is this thing? How do I plug this thing in? We did a series of screencast videos that had the direct video of me assembling things and then also the coding on the side. So as a teacher, you could go, I mean, you could literally do this now. The videos are open. You start at number one. If you buy the kit, you start at number one, go through number eight, you can get through every one of these projects just by following along with the videos, stealing the code where I tell you to steal it from, and then slowly get there. Right, so from a getting to a point of success perspective, that's built in. So the outcome of this is that you build an elastic band launcher. So you have a little piece of cardboard, you put that little thing on the side of it, and when you press the button, it fires an elastic band across the room. Potentially too dangerous a project, I understand, but man, do the kids love them. But from a complex perspective, what we are trying to do is teach two things. One of them is project management. It may sound weird, but what we did was, is we rolled on this sort of, if you are going to run a project, how would you organize your thoughts? So this is about creating that language of self-awareness about what your goals are, how you see success, what approaches you're using, right?
and then what steps you're going to take in that process. So for us, we scaffolded self-aware language for everybody to go. So when every student goes, I don't know what I'm supposed to do. So when every student goes, I don't know what I'm supposed to do. The first project was set. It's build an Elastic Band Launcher. The second project was built for work in teams, where you were made to each group of two students was responsible for designing a mini putt course. So you maybe make the windmill that turns around or whatever. So you end up with a mini putt course. And the third one was intended to be whatever the student wanted to do. But what we're doing is building this scaffolding and then rolling out in this way. That's fantastic, Philip. I'd love to see the work that you did. And then the last piece is social emotional learning. So when we looked at coding, particularly when it looked at girls in coding, the grade 11 computer science course was 95% male across the board. Girls were not interested in this at all. And all the girls learning code stuff and whatever else has not really been, I don't think that link is live, but I can send in the link later if you're interested in it. So this is really about trying to take people who are not interested in coding and give them some chance to work through their feeling around their relationship to tech, their relationship to this kind of work. And so we call them 50-word reflections. Basically, it's a tweet without putting it on Twitter. What motivated you to complete this activity? Can you think of any reason beyond I was told to do it? So there's a Canadian standard for social emotional wellness in the classroom, and self-management is one of those five targets. And so all the way through the course, we built these reflection pieces that are meant to try to build on the social emotional awareness. So the first one actually is, how do you enjoy working inside of a noisy environment? Because the activity is really loud. There's a lot of noise going on, the machines beep, and it's really about going, for those people who are frustrated by that kind of chaos, to give them a chance to think their way through that process and sort of build. And the whole intent here is to build enough of that simple and complicated foundation so that eventually they're able to go out and explore and do things that you don't expect or imagine, right? And still be inside of the curriculum. So inside of this, there are objectives for every one of these things that aren't about the project. So I don't care if your Elastic Band Launcher works. I don't care if your mini pothole works. And I don't care if whatever your personal project at the end works. That's not the intent of the course. Those are your creative spaces where you can work and go in whatever direction you want to. What we care about is, did you do the other complex work for your social emotional awareness and for that project management? So it allowed us to try to take some of the rhizome stuff and build it in to a really formal environment, to a K-12 environment. I'm just going to go ahead and do the third piece, and then I see we only have 15 minutes left, and then we'll go to questions and see if we can't do that. ED366 was a course I taught for the University of Prince Edward Island, I think it's 8 or 9 times, and it's Bachelor of Ed, Certificate of Continuing of Adult Education course, where I tried to take the same model and teach it as a university class. In that class, we started with a syllabus, but no curriculum. So at the start of every course, I'd go, okay, so broadly speaking, this is what a learner contract looks like. In that learner contract, it said, you need to blog however many times, you need to do this. You can choose to do some of these assignments, but none of the content of any of those assignments were included. All of the choice about what you were going to talk about, write about, whatever, either came out of the discussions we had in class or were things that were decided upon by the students. So the learner contract, when I say contract, I didn't write them a contract that they then went and agreed to. They were very much responsible for shaping their own learner contract and then being responsible to that. So there, and I mean, I had to give a numbered grade coming out of that course. And what I did was I assessed their effort. So if you each completed assignment had a certain pass-fail to it, so if you finished the blog post, you got a 2. If you didn't do it, you got a 0.
If you did it and it was terrible, I asked you to do it again, or you got a zero, so it was basically pass-fail. And then you could choose, basically at the start of the course, you could choose your final grade based on how much effort you were going to put into the course. So again, that gave me another opportunity for allowing students to really take control of their own path to go off in different directions. Okay. Some closing thoughts. Measuring learning is impossible anyway, but it's particularly impossible when you try to do it this way. What someone learns when they develop their own project, a ton of things. I can measure how hard they worked, but not necessarily if they learned. Then some guiding questions that I always try to think about in order to do this. How do you prepare for people you don't know? So I don't know who you are before you come to my course. How do I prepare for that eventuality? How do I prepare for content I'm not expecting? So if you let students go off on their own, you never know what they're going to come back with. And how do you guide people on a path that isn't your own, right? So if they start that path, the temptation is always to bring people back to the stuff you know, rather than the stuff they know. And for me, the sort of answer to that is that curriculum is not content. It's other people. And as long as you set up that environment where people can learn from each other, where they can learn from each other's discovery, then you don't have to worry about it because that curriculum is constantly growing around you all the time. I'll take my video off now. You've probably seen me for long enough. Questions? Thoughts, feelings you'd like to share? Encore. Yeah, I understand. And it's one of the problems with trying to explain this in such a tight period of time is that I end up condensing a lot of work into a small piece. And I thought about actually just doing one of those pieces, but I promised I'd do a couple of examples, so I felt like I kind of had to. You mentioned the work to make yourself obsolete. Do you ever put yourself in with the learners? Yes, it depends on the context. So, what do you promise to learn too? Yes, absolutely. So one of the things that comes up whenever you teach this way is that you always come across stuff you don't understand, right? So somebody would be like, well, teacher, I was reading or I saw this or I was thinking about this, and you go, you look at me like, I have no idea what you're talking about right now. So I'm going to make it my job over the course of this to try to figure that out on my own, and I'm going to report back on my learning through this process. Now, I've never actually written myself a learner contract to do that, but yeah, I definitely do that because there's so much uncertainty that comes up, right? People will talk about stuff, and you're like, I don't even know what that is. So it is really exciting that way. How could you sell that approach to the teacher and mostly to the administration? So, Carol, in my last job, I reported to the Deputy Minister of Education and PEI, and I was responsible for the K-12 technology direction for the province. And so I had some sort of, I hate the word, use the word authority, but I had some ability to be able to include myself in the discussion. I was at the director's table as well, which gave me a certain amount of room there. But I found that teachers are actually really easy to convince about this. A lot of good teachers have been teaching like this for hundreds of years.
they know that discovery is what the game is really about, right? So I haven't had a hard time with teachers. From an administration standpoint, as long as you tick the boxes, right? So when I taught at the university, I knew I had to send in a numbered grade. I worked it out so I got to a numbered grade. I knew I couldn't, I broke some other pieces, but I knew I had to hit that one. In K-12, it was really about getting the curriculum designers on side. So once the curriculum designers had bought in, and actually I say bought in, but a lot of the final product, you saw Mark's picture in there, a lot of the final product was really his vision by the end of it rather than mine. They're that core piece in there. If you get the curriculum designers to believe, then I think you've got a real chance to build this stuff in. It was also somewhat about, you know, we did social emotional learning partially because I think it's really important, partially because it made the project easier to sell. So some of that's just about sort of understanding your audience and seeing change as a system, right? And not just as, I've got this really great idea, don't you love it too? But rather shaping it inside the system so that it's easy for people to say yes. My question about teacher contract. Oh, I'm sorry, now I understand. I missed the earlier part of that, Lori. Do I still blog? I do, not as often as I'd like, but I think the last blog post is probably, I've been reading, actually the blog post that has been slowing everything down is a blog post that talks about this. So the last blog post was on April 30th. Of this year. It turns out that medical school is a lot of work. So I found it much more difficult for me to blog from this role. I do need to finish the one that describes that K-12 course because I'm really passionate about it. I was really excited. It was a great, great project to get the opportunity to work on. Anybody else? Thoughts you'd like to share? Those videos, if you're interested in them, are here from the K-12 project. And pretty much everything else that I talked about lives somewhere on my blog. If you go to my blog insert, I mean, can't imagine why you would, but if you're interested. And there's also a number of talks that sort of roll out the Rhizomatic Learning piece as well. So if that's something that interests you, if you go to maybe the best one, whether you liked it or didn't like it, if you wanted more information on that, let's see here, it's this one. Yeah. That's from 2015, but it sort of runs out the Rhizomatic Learning piece a little bit deeper. We got about 4 minutes, I think, till we're done. Does anybody else have any other things they'd like to add or jump in? Or don't let anybody argue with me. You've been an awfully polite crowd. I mean, that's nice and everything, but I was expecting a little more pushback. Well then, if that's the case, Carol, I guess I'd, oh wait, in order to do the student must be active, but a lot of them don't want to. What could you do to them, huh? Yes, many of them don't want to, totally true. To some degree, it's about setting expectations. In a K-12 classroom, you know, people know that they have to go through the motions. There's power structures there you can tap into. Again, like I said earlier, the first couple of weeks are always hard, but I will say that the places where I've had a chance to really roll this out in K-12, students end up being way happier and way more engaged because they're not just being obedient all the time. If the model is set up, particularly if you use that sort of the gradual release model, I think, can address some of the concerns that Laura brought up where, you know, students need to be deprogrammed. That gradual release is a method that I think can be really effective in deprogramming students from their passivity. And I mean, students are going to all approach that activeness in a different way. They're not all going to be active the same way.
But gradual release, I think, is probably the best approach. Failing miserably? Oh God. So the first time I tried to do a learner contract in an adult classroom, I had two teachers, 40-year-old teachers, burst into tears. Because what I tried to do was force them to write the entirety of a learner contract in the first class before they'd had any real sense of the context. So if you think of that orient, declare, network cluster focus model, I hadn't done orient before I had them declare, right? I'd not given them the time to get to understand the context before I tried to drive them through the kind of self-reflection. I just went way too fast. I didn't have the patience needed, I think, to bring people through that transition process. And teachers, you know, as much as anybody, want to know what success looks like. They want to be good at it. They want to be good at school. School is what they do, right? So when you're teaching them, they want to be good at school. And when you tell them school is different than they think school is, it leads to a lot of conflict. Yeah, that student panic piece is tough. Yeah, no, for sure. I got lots of failure stories, JR, tons and tons. The first Rhizo MOOC actually had a huge problem in the middle of it. One of the things that, actually, you know what, I'll tell a different story. One of the problems I've had in all of these courses is people working too hard. So if you're an A-type student who is accustomed to getting A's, you'll work until you get the grade. If I tell you that things are complex and it's not clear what's going to get you to perfect, you're just working not stop. Just work forever. And I've had students almost burn themselves out in this course because there is no point at which it's clear that they should stop working. All right, folks, that's 1:30. I'll turn things back to Kaveh. Thanks very much for paying attention and being involved. I enjoyed the discussion. I hope you all take care of yourselves. So, merci beaucoup, Monsieur Cormier et Monsieur Lewis aussi pour votre participation. C'était extrêmement intéressant. Je voudrais rapidement rappeler à tout le monde qu'il va y avoir une classe demain qui est offerte qui est sur la réalité augmentée pour tous le 14 novembre. Et aussi que l'enregistrement de cet atelier-là va être disponible d'ici quelques heures. Et finalement, je vous remercie tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.